Bonjour! Cette semaine, j'ai lu pour vous un livre qui n'est même pas encore paru, donc je suis un peu énervée de vous en parler. C'est « La mort du temple » d'Hervé Gagnon, tome 1. J'avais eu la chance de partir avec le livre avant la pandémie, et donc j'ai lu ça pour vous et le livre va paraître la semaine prochaine. Alors, pour cette série-ci, Hervé nous plonge dans le Moyen-Âge à Paris, et on suit plus spécifiquement Hugues de Malemort, qui est templier. Il se fait confier la mission de transporter une cargaison pour le temple à maintes reprises. Et ce n'est pas juste du vin qu'il transporte, il y a une partie qui est le trésor du temple. Et donc, il va se faire attaquer et voler une partie du trésor. Et lui, il va essayer de retrouver ceux qui l'ont attaqué et aussi où est caché le trésor. Parallèlement, un de ses amis templiers se fait assassiner et va essayer d'élucider le mystère. Donc, je vous en dis pas plus pour pas brûler de punch. Moi, ce que j'ai bien aimé dans le roman, c'est que Hervé est fort de description. Et on a vraiment l'impression de sentir les très bonnes odeurs du Moyen-Âge. On a vraiment l'impression d'être jusqu'aux genoux plongés dans des excréments, de la poisse, de vraiment les beaux côtés du Moyen-Âge. Moi, c'est ce que j'ai aimé de me sortir un petit peu de mon quotidien de confinement, COVID et compagnie, et de penser à autre chose. En plus, un gros plus, avec cet air de joli bleu, ben, Hervé Gagnon, c'est un Québécois, donc si vous ne le connaissez pas, il est à découvrir, ou sinon à redécouvrir. Si vous aimiez ces séries Vérité ou Damné, je vous conseille de découvrir La mort du temple. Alors, bonne lecture!